Dans cet enseignement, pour parler de la vocation, nous allons évoquer quelque chose d'important, c'est la question des moyens. Quels moyens se donner pour discerner sa vocation? Parfois, les jeunes vont réfléchir à leur vocation comme un peu une discussion de salon ou un soir en entendant quelque chose, mais il n'y a pas de lendemain, les moyens sérieux ne sont pas pris. Or, beaucoup de choses se jouent dans les moyens qu'on prend. C'est dans la confiance et l'abandon que nous venons te supplier. Fais qu'autour des autels eucharistiques se lèvent des âmes généreuses qui sachent répondre à ton appel en devenant prêtres, consacrés, religieux et religieuses. Ô Jésus, pasteur de nos âmes, ton cœur brûle du désir de te donner à travers les âmes consacrées et sacerdotales. Permets que les jeunes soient transformés dans ton amour, qu'ils puissent discerner dans la paix et la liberté le chemin de bonheur que tu veux pour eux. Cœur du Christ grand prêtre, nous avons confiance en toi. Ô Esprit Saint, suscite au sein du peuple de Dieu de saintes familles, disponibles à l'accueil des vocations en leur sein. Qu'elles aient le désir ardent d'éduquer et de fortifier celles et ceux qui acceptent de se mettre à ta suite. Envoie ton esprit de discernement et de force pour que ton Église se renouvelle et trouve les moyens d'éveiller et d'accompagner les vocations. Transforme-nous avec Marie et en Marie, en un autre Christ Jésus, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Sainte Vierge Marie, aide-nous à contempler auprès de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église. Cœur immaculé de Marie, Mère de l'Église, prie pour nous. Ô Saint Joseph, époux très chaste de Marie, Père adoptif du Christ grand prêtre, gardien du Rédempteur et protecteur de l'Église, éduque et soutiens les vocations naissantes et apprends-nous à travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Quels moyens se donner pour discerner sa vocation? Parfois, les jeunes vont réfléchir à leur vocation comme un peu une discussion de salon ou un soir en entendant quelque chose, mais il n'y a pas de lendemain, les moyens sérieux ne sont pas pris. Or, beaucoup de choses se jouent dans les moyens qu'on prend. C'est vrai, par exemple, quand on étudie une langue, on veut apprendre une nouvelle langue, de l'anglais, d'espagnol, de l'allemand, la manière dont on va s'investir quotidiennement pour cela va donner ou pas du fruit. C'est vrai quand on fait du sport, quand on prend un coach ou pas, la manière dont on va s'investir et prendre les moyens pour cela va donner du fruit, va avoir une transformation ou pas. Et bien, pour le discernement vocationnel, les moyens que je vais prendre vont donner du fruit ou pas. La première chose, c'est tout d'abord de ne pas rester seul. Effectivement, prendre un père spirituel est important. C'est dans la grande tradition de l'Église, c'est ce qu'on appelle le fort interne, le forum, comme disaient les Romains, ce lieu où il y a la discussion, et le fort interne, ce lieu où nous révélons de manière secrète notre conscience à une tierce personne, généralement un prêtre, mais pas que, parce que la grande tradition de l'Église ne fait pas que les prêtres ou les consacrés soient les seuls à être père spirituel ou mère spirituelle. Généralement, on va aborder six choses avec ce père spirituel. Tout d'abord, comment j'entends Dieu? Comment je l'écoute? Qu'est-ce qu'il en est de ma prière? Des paroles de Dieu qui me marquent, de la relecture des événements de ma vie. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu à la manière de Saint Ignace, comme la troisième chose, c'est quelles sont les consolations, et la troisième chose, quelles sont les désolations dans ma vie. Les consolations, c'est peut-être ces moments de grâce, finalement, qui m'amènent à plus d'ardeur, plus de ferveur, plus de conversion, plus de sens de la mission. Les désolations, à l'inverse, c'est ce qui m'amène à une certaine tiédeur, une désespérance, une stagnation. La consolation n'est pas toujours la conséquence du péché, mais elle demande d'être étudiée de près. Bref, les trois premières, l'écoute de Dieu, la consolation, la désolation. J'ajouterai encore les tentations. Parler de nos tentations avec le Père spirituel, la Mère spirituelle, pour savoir ce qu'il en est, car ce niveau-là touche la question du discernement vocationnel. Ai-je peur? Suis-je libre, par exemple? Cinquièmement, le devoir d'État. Ces cinq premiers points seront des points que tout chrétien confiera à son père spirituel ou sa mère spirituelle durant toute sa vie. Le devoir d'État, c'est comment on sanctifie sa vie ordinaire.
Pour tout laïc, la sainteté passe par le devoir d'État, c'est-à-dire par la manière dont on vit son état de vie, qu'on soit marié, célibataire, consacré, prêtre, qu'on soit étudiant, retraité, etc., professionnel. Comment je vis la sainteté de ce temps ordinaire de ma vie, mon devoir d'État. J'ajouterai encore aussi la question vocationnelle, les désirs qui me traversent, les questionnements, etc., etc. Tout cela, c'est ce qu'on aborde avec un père spirituel, et forcément, une rencontre avec un père spirituel ou une mère spirituelle doit se préparer à l'avance. On n'arrive pas à l'improviste, on s'y prépare en amont, et généralement, la rencontre va durer entre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure maximum, après on se raconte, mais durant ce temps-là, on va parler vraiment à son père spi, sa mère spi, de ses enjeux vocationnels. Il faut ajouter, pour avoir une relecture avec son père spi, sa mère spi, qu'on prépare en amont et qu'on va un peu décanter devant le père spi et la mère spi, qui va nous inviter à prendre des décisions. Généralement, le père spi, la mère spi seront des accompagnateurs spirituels. Il est rare qu'ils soient des directeurs spirituels. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui, ce qui fait que la personne dans la posture se situe comme quelqu'un qui nous écoute, une tierce personne devant Dieu, mais non pas comme celui qui nous dirige. Et nous sommes amenés nous-mêmes à poser nos choix librement et on vérifie un choix qui est bon avec l'accompagnateur spirituel si cela nous fait grandir dans la liberté, si cela nous déploie dans la conversion, dans la mission, si cela est conforme à notre devoir d'État, si cela nous permet d'investir mieux notre vocation. À partir de là, on peut dire que l'accompagnement est bien fait. Tout ne repose pas sur l'accompagnateur spirituel, tout ne repose pas sur l'accompagné. Effectivement, l'accompagnateur peut avoir ses propres limites de formation, ses propres limites par rapport à son expérience courte ou longue, mais ce n'est pas grave. La fidélité à un accompagnement spirituel, si humble soit-il, est la garantie de s'ouvrir à une tierce personne et d'apporter un début d'objectivité dans mon discernement. À cela, j'ajoute que pour discerner sa vocation avec un accompagnateur spirituel, il faut évidemment, en amont, je n'ai pas dit, avoir une vie de prière régulière. Dans le cadre, par exemple, des cycles d'accompagnement, de cycles de discernement, on invite chaque jeune à prier au moins 20 minutes par jour. Ça paraît long pour quelqu'un qui a 18 ans, mais en réalité, si on dit simplement une dizaine de « Je vous salue Marie », c'est sans doute que la Vierge Marie va avoir une grande importance dans la vie de cette personne, et ça finira peut-être comme un Saint Bernard, ou un Jean-Paul II, ou un Montfort, et nous nous en réjouirons si c'est le cas. Mais toujours est-il, il faut apprendre cette expérience d'écouter Dieu en profondeur, de se laisser façonner par Dieu. Et là, ce n'est pas la 5 minutes, l'invocation du matin ou l'invocation du soir qui transforme la personne. Il faut pouvoir donner du temps, ou pour le dire plus précisément, il faut pouvoir perdre du temps pour Dieu. Perdre du temps, c'est un plongeon dans la grâce qu'est l'oraison. À cette école-là, beaucoup de formes. Il y a l'oraison de la manière de la lecture commentée, méditée de l'Évangile, un peu une sorte de lectio divina moderne. Il y a l'oraison à la manière ignatienne, ou encore l'oraison de manière carmélitaine. Il y a l'adoration. Chacun doit trouver sa forme, et y compris le lieu, trouver en gros une durée, une horaire et une méthode. Elles peuvent changer durant le cours de la vie, parce que l'oraison et la prière du cœur est quelque chose qui a de très personnel. Mais si c'est mis avec fidélité, cela sera transformant. Et de cette prière, Dieu nous dira des choses dans cette prière. Voire même, Dieu nous fera entendre d'autres choses en dehors de cette prière, mais nous aurons été capables de l'entendre parce que nous avons d'abord reçu la grâce de la prière. Si nous voulons écouter Dieu dans les événements du quotidien, il faut pouvoir s'être mis à son école dans la prière. Et de l'écoute de Dieu dans la prière comme dans le quotidien, va être la base de la relecture avec le Père spirituel. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, et ça paraît étonnant de le dire, sans doute ça ne suffit plus d'avoir simplement un accompagnement spirituel au fort interne. D'ailleurs, ça n'a jamais suffi. Par exemple, quand quelqu'un décide de devenir prêtre, il en parle à son Père spi, mais à un moment donné, il va voir son évêque. Quand quelqu'un décide de devenir moine bénédictin, il en parle à son Père spi, puis à un moment, il va voir le Père abbé. Quand quelqu'un veut se marier, il en parle à son père spi ou sa mère spi, et puis, à un moment donné, il va voir le prêtre qui va les marier. Il y a toujours une dimension objective de l'Église qu'on appelle le fort externe, la discussion, on va dire, au fort externe institutionnel. C'est elle qui est la garante institutionnelle, au nom de l'Église, d'une validation d'une candidature à telle ou telle vocation. Et plus on avance sur le chemin, plus cette validation a des effets importants. Évidemment, la validation ultime, on pourrait dire, c'est le jour des vœux définitifs, le jour du mariage, le jour de l'ordination.
Avant, il y a tout un process de progressivité, de validation, qui va de petite à grande. Comme dirait Ignace, on va de discernement révocable à jusqu'à un discernement et un choix irrévocable. Toujours est-il, sans aucun doute, aujourd'hui, plus que jamais, le discernement au fort interne avec le PERSPI ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que le PERSPI, la MERSPI, est tenue par le fort interne à un quasi-secret de confession. Donc ce n'est pas institutionnel, le discernement, premièrement. Et deuxièmement, un jeune, dans notre culture actuelle, et ce n'est pas si bien, mais c'est ainsi qu'il faut le dire, est de plus en plus individualiste. C'est comme la société. C'est un peu « je me fais mon discernement à ma propre sauce ». Je vais voir la vocation qui me plaît, je vais voir la communauté qui me plaît, je vais voir le séminaire qui me plaît, je vais voir le diocèse qui me plaît. C'est un peu à la carte, c'est freelance. Or ça, c'est tout sauf vraiment ecclésial. Combien de jeunes, qui ont été pourtant tous confirmés, vont réellement voir leur évêque quand ils se posent la question du sacerdoce ? Ben, très peu. On voit bien qu'on a une difficulté aujourd'hui avec la question au fort externe. Si peut-être il y a 50-60 ans, quand on se préparait au mariage, on pouvait être maladroit, on ne savait pas toujours comment aborder les questions, par exemple, de sexologie, d'affectivité. On voit les progrès, en particulier avec ce que nous a donné, nous a laissé comme cadeau Saint Jean-Paul II sur la théologie du corps. Ben, aujourd'hui, on peut dire effectivement qu'il faut retrouver cette médiation de l'Église, cette authentification au fort externe, et cet aussi approfondissement de la vocation au sein même de l'Église. Sinon, un jeune risque d'être très individualiste dans sa manière d'approcher les choses, voire même de se tromper pour une part. Il n'est pas nécessaire pour tout le monde de faire un cycle Saint Jean-Paul II, un cycle Sainte Thérèse ou d'autres formes de retraite équivalentes. C'est évident. Je connais des âmes bien droites, on peut dire ça, bien disposées, qui effectivement n'avaient pas besoin de faire ça. Mais combien plus en ont besoin ? Et si je faisais une petite statistique, je dirais au moins 80% des jeunes en ont besoin. Et ça, je ne crois pas me tromper en vous disant ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de préjugés. Et on ne prend pas les moyens. Et bien souvent, on se trompe et on est individualiste. Et on a peur de l'Église. Et là, on voit bien, si on en restait au fort interne, ben, le jeune, au mieux parfois, il apprend à être vertueux, il apprend à être pieux. Mais il n'a pas toujours ce coaching nécessaire, cet accompagnement au fort externe qui lui permet vraiment d'accoucher, de devenir celui qui doit être au niveau de sa vocation. Il existe des retraites de discernement. La grande tradition fait une référence à celui à qui on a écrit une encyclique sur le sujet. L'encyclique s'appelle Mens Nostra. C'est une encyclique consacrée aux exercices de saint Ignace. Les jésuites nous diraient à leur manière que d'une certaine manière, c'est une canonisation des exercices spirituels de saint Ignace, sans l'être. Et bien, d'une certaine manière, c'est vrai que les exercices de saint Ignace sont une référence absolue pour le discernement. D'ailleurs, Ignace est le saint patron des retraites spirituelles, quelles qu'elles soient. Bien souvent, les exercices de saint Ignace, qui sont à la fois des exercices spirituels et des retraites de discernement, conjointes et séparées, ne suffisent pas dans beaucoup de cas. Et quand je le dis cela, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est même très bon. Mais aujourd'hui, en amont, il faut avoir mis en place la prière. Il faut avoir mis en place un sens de l'Église. Il faut avoir mis en place une découverte de différentes vocations. Voire même, on peut dire que les exercices de saint Ignace seront d'autant plus féconds s'ils arrivent au terme d'un processus. Ce n'est pas pour rien que depuis plus de 20 ans, dans les propédeutiques qui accueillent des futures candidatures au sacerdoce, qui iront peut-être pour certains dans des séminaires, les exercices saint Ignace, qu'ils soient de 8, 10 ou 30 jours, se situent en fin de parcours d'année. Parce qu'en amont, le candidat a eu le temps de mettre en place sa prière, la garde du cœur, le sens de l'Église, etc. Et parfois, un jeune qui se dit « je vais discerner en 5 jours, ça va marcher », eh bien en fait, au mieux, il apprend à faire le tri entre son imagination, ses névroses et un peu de Dieu. Il arrive à mettre un peu la prière et on voit bien en fait qu'en 5 jours, il n'arrive pas à discerner sa vocation. Si on peut dire cela, c'est qu'on l'a vu dans les cycles, il faut entre 6 et 8 mois pour lâcher prise. À raison de un week-end par mois, à raison d'oraisons dirigées données tous les mois, plusieurs fois par semaine, il faut entre 3, 6 ou 8 mois pour lâcher prise. Le temps est long. Donc ce n'est pas en 5 jours toujours qu'on va y arriver. Il ne faut pas se leurrer, ça prend du temps. C'est pour ça, se donner les moyens, quand on prend vraiment les moyens, ça coûte plus qu'on pense. C'est un vrai investissement, c'est donc un renoncement. Si tu choisis de discerner ta vocation, ou si vous choisissez d'aider un jeune à discerner sa vocation, à lui conseiller, ça veut dire que ce jeune, ou ça veut dire toi, tu vas t'engager dans cette direction, et sache que discerner sa vocation, c'est unitif, c'est constructif. Pour un homme, c'est virilisant, pour une femme, c'est féminisant, c'est unifiant.
C'est convertissant, on peut dire. Par contre, ça demande de renoncer à plein de choses. Tu ne pourras pas tout faire. Il faut considérer un temps pour cela nécessaire. Le mieux, c'est sans doute quand on est étudiant, parce que le monde professionnel nous rattrape. Mais c'est vrai, de se donner les moyens, c'est important et ce n'est pas du temps perdu. Sur notre diocèse, nous avons la grâce d'avoir le cycle Saint Jean-Paul II et le cycle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui sont des cycles de discernement et d'accompagnement, c'est-à-dire à raison d'une fois par mois entre octobre et mai, un week-end qui est digéré pendant un mois, c'est-à-dire 8 mois, réitérable 16 mois, 24 mois, un étudiant, un professionnel, une étudiante, une professionnelle peut discerner sa vocation, voire même peut être accompagnée dans sa vocation en vue du terme, par exemple en vue de rentrer chez les bénédictins, chez les dominicains, etc. La personne va être accompagnée pour un temps plus ou moins long jusqu'à arriver au terme. C'est une première étape qu'on peut conseiller à quelqu'un dans tous les milieux. On peut aussi proposer à quelqu'un qui est plus avancé, qui sort des cycles ou de toute autre forme de retraite, ou qui est déjà avancé plus loin, une année de propédeutique. Pour cela, il suffit de rencontrer le service des vocations de son diocèse, de parler à son évêque et de proposer une propédeutique pour quelqu'un qui est un candidat, dirait l'Église, sérieux au sacerdoce. Sachez que depuis 2 ans, il existe la chose similaire pour la vie consacrée sur notre diocèse, ce qu'on appelle l'année mater ecclésiae. Ce n'est pas une propédeutique formellement parlant. C'est une année de fondation spirituelle et de discernement à la vie consacrée. À la différence d'une propédeutique sacerdotale, c'est aussi 10 mois, c'est le même process, simplement pendant 2 mois, sur ces 10 mois, les candidates vont faire des expériments à la vie consacrée. C'est-à-dire que pendant 2 mois, ces candidates sont immergées dans la vie religieuse. Pour pouvoir discerner leur vocation, il faut connaître, puisque la vie religieuse demande, ou la vie consacrée tout court, demande de s'immerger dans une tradition, des règles particulières. Nous avons aussi la même chose sur notre diocèse, et c'est encore un cadeau du Seigneur, pour des hommes qui se posent la question d'être frères religieux consacrés, et nous avons l'année Sequela Christi, qui est un peu le petit frère de l'année Mater Ecclesiae. On me dira, tout ça, c'est bien, mais c'est pour les étudiants. C'est aussi pour les professionnels. Qu'est-ce qu'on a pour les mineurs? Alors déjà, on ne peut pas voir la même chose pour les mineurs, parce que quand on n'est pas majeur, justement, d'une certaine manière, on n'est pas assez mûr pour discerner sa vocation, même si une grande partie des vocations naissent dans l'enfance. Ce qu'on peut faire, c'est de l'éveil vocationnel. C'est ce qu'on fait dans les retraites Viens et Vois, à partir de 6e, 5e, même de CM2, mais on apprend plutôt la prière à ce moment-là. 4e, 3e, ça peut devenir sérieux. Et puis à partir du lycée, on a les écoles de vie spirituelle, qui ne sont pas mixtes, qui permettent à des garçons de cheminer entre garçons et des filles qui sont parfois plus mûres à cet âge-là de cheminer entre filles. La vie spirituelle y est proposée ainsi qu'un éveil vocationnel. Et nous avons vu combien ça a été fécond puisqu'on a aujourd'hui des filles qui faisaient l'EVS et qui cheminent aujourd'hui dans les cycles de discernement. Comme quoi, il est tout à fait possible d'avoir des étapes progressives. Ces EVS seront proposés à la rentrée à la fois durant les vacances de la Toussaint et durant les vacances de février. Et puis l'été aussi, vous sont proposés des camps pour les lycéens, collégiens, je pense au camp Henri Dory, accompagné par les séminaristes, les propédeutiques, des prêtres, je pense au camp Mère Teresa, et je pense aussi à des retraites que nous avons, soit l'été, qui continuent les cycles, soit pendant l'année, autour de décembre ou février, les retraites Christi Sponsa pour les femmes, c'est-à-dire la méditation d'être épouse du Christ, ou les retraites Alter Christus, c'est-à-dire de méditer le sacerdoce du Christ. Bref, il existe plein de formules, et encore je n'ai cité que ce qu'il y avait sur le diocèse ou tout ce qui gravite autour des cycles. Si nous nous renseignons un peu, nous verrons qu'il existe aujourd'hui plein de moyens, et comme le disait l'adage contemporain, un chrétien seul est un chrétien en danger, je dirais un discernant seul est un discernant qui risque de s'égarer. Demandons à Saint Joseph, durant cette neuvaine, lui qui était le saint patron, le protecteur, le gardien du Rédempteur, de garder tous les jeunes qui discernent leur vocation, de permettre aussi à tous les éducateurs de prendre au sérieux le conseil de conseiller, de prendre les moyens à chaque jeune pour discerner. Saint Joseph, aidez-nous dans notre discernement. Saint Joseph, aidez-nous dans cette mission de conseiller les jeunes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.